Nous sommes arrivés, les amis. Voici donc le fameux port Barbouille, comme c'est calme et silencieux, trop silencieux même. Ça alors, où sont donc passés les habitants? Ah, comme c'est agréable de retrouver la terre ferme. Nous sommes au bon endroit, n'est-ce pas? Il s'agit bien de Port Barbouille. Je pensais que c'était un lieu touristique très fréquenté. C'est plutôt paisible, à vrai dire. Oui, c'est vraiment étrange. Surtout que je les avais prévenus de votre arrivée. On aurait pu s'attendre à un comité d'accueil digne de ce nom, en l'honneur du grand Mario et de notre princesse Peach adorée. À propos... Où est Mario? Mario, par ici, rejoins-nous. Oh, pauvre Mario, la tempête de la nuit passée t'a mis dans tous tes états, on dirait. Forcément, à force de tanguer d'un côté à l'autre de ta cabine, tu as fini rouler en boule. Tu aurais dû t'attacher avec du ruban adhésif, comme moi. Enfin, nous sommes à bon port à présent, alors défroisse-toi un peu et allons-y. Ah, je te préfère comme ça, Mario. Très bien. Jetons à nouveau un œil à cette lettre. Oh, ça me brise le cœur de penser qu'il s'agit en fait d'un toad plié en 100 couleurs. Notre seul indice, c'est le lieu indiqué par le tampon. Port Barbouille. Ne vous en faites pas, princesse. J'ai lu le guide touristique de Port Barbouille de la première à la dernière page, alors je vais vous guider. On devrait d'abord se diriger vers la fontaine au centre de la ville. C'est un lieu très apprécié par des touristes. J'imagine qu'on y trouvera un habitant capable de nous renseigner. C'est une bonne idée, mais n'oublie pas que nous ne sommes pas en vacances. Nous devons rester concentrés sur notre objectif. D'autant plus que l'atmosphère qui règne ici ne me dit rien qui vaille. Et voilà, bonjour à tous et à toutes, c'est Sanji30000 et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Paper Mario Color Splash. Un jeu que j'attendais, mais avec une impatience. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Mais nous allons commencer. C'est un jeu, un action RPG, développé, si je ne me trompe pas, par Intelligent Systems. Alors, je le sors de mon chapeau, Intelligent Systems, je m'en souviens plus du tout. Mais je crois que c'est Intelligent Systems. Bon, voilà. Donc, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, parce que les Paper Mario, c'est toujours fantastique. J'ai joué au 3e Paper Mario et celui sur la 3DS, donc j'ai joué à 2 Paper Mario sur 4, enfin sur 5 maintenant, puisque je joue à lui, donc ça fait 3 Paper Mario sur 5. J'ai joué donc à celui sur la Wii, à celui sur la 3DS et celui sur la Wii U. Je l'attendais avec une impatience, vous savez même pas, depuis qu'il a été présenté au Nintendo Direct, d'où on a fait la réaction avec Devil, je vous invite à la voir. Et donc si vous avez bien suivi la petite histoire, la cinématique, nous retrouvons Alors regarde cette caisse, elle nous bloque le passage, qui a bien pu la laisser là. C'est comme si on cherchait à empêcher les visiteurs d'entrer, ce n'est pas étonnant que l'endroit soit si calme. Vous avez raison, princesse, et impossible de la contourner. Explorons le quai pour voir si nous trouvons un moyen de nous frayer le passage. Alors voilà, donc c'est un jeu que j'attendais beaucoup parce que les Paper Mario c'est super cool. Et puis un Paper Mario sur la Wii U ça fait toujours plaisir. Alors, nos petits héros sont à Port Barbouille, une ville de tranquillité. Mais le problème c'est qu'il y a un Toad et ce Toad n'a plus de couleur. Et donc pourquoi? Ben on ne sait pas. Et donc... il y a la princesse. Oh, un marteau. Un marteau. C'est ça, un travail pour toi, Mario. Tu crois que tu peux sauter sur ces caisses pour l'atteindre? Mais attends, tu m'as pris pourquoi, moi? Eh, ça va, hein. Mario, il est pas non plus paraplégique. Hein. Vous avez obtenu un marteau. Nickel. Génial, tu peux te dire à présent, c'est moi qui ai jeté ton vieux marteau par-dessus bord sans faire exprès. Pourquoi t'as jeté le marteau? C'est Toad en plus. Ok. Mais tout est bien qui finit bien. Celui-là est encore plus beau. Tu te rappelles comment on s'en sert, pas vrai? Il suffit d'appuyer sur B. Et puis il n'y a personne pour nous accueillir. Quelque chose me dit que tu tarderas pas à l'utiliser. Tu ne tarderas pas à l'utiliser. Plutôt. Alors, donc voilà, on utilise B pour taper. Et d'ailleurs, on a des petites pièces. Donc vous avez vu, c'est un monde... les personnages sont en 2D. C'est le principe des Paper Mario, mais le monde est en 3D, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Paper Mario, parce qu'ils sont lisses comme des feuilles de papier. Donc vous voyez, regardez, voilà, on tourne bizarrement, mais c'est normal, c'est le jeu qui veut ça. D'ailleurs, et regardez ça. Des lettres blanches sur un fond blanc, c'est illisible. Quelle drôle d'idée. Oh, bah dans cette poubelle, il y avait des pièces, d'accord. Donc les pièces, vous avez vu, elles sont différentes. Bien joué Mario, cette caisse ne nous a pas laissé le choix. Allons voir la ville à présent. Ok, très bien, mais par contre, je veux déjà casser toutes les caisses parce que je vais avoir du fric, c'est trop bien. Voilà, allez, c'est bon. Et 53 pièces déjà, alors j'espère que... Enfin, si on nous donne autant de pièces au début, c'est que, à mon avis, on va les utiliser dans pas trop longtemps. Alors ici, il y a... voilà. Et d'ailleurs, je vous le dis, je vais faire ce jeu à 100%. Voilà, parce que les Paper Mario... Enfin, voilà, c'est un jeu Mario, donc 100%, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Voilà, et je vais vous expliquer 2-3 choses après. Et donc voilà, regardez ça. Port Barbouille, donc du coup. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de taches blanches. C'est un peu vidé de ses couleurs, on ne sait pas pourquoi... mais voilà, donc voilà. Il y a même le truc, vous savez, normalement dans les cartoons avec les cow-boys, genre il y a une espèce de pelote là qui passe pour dire oh, il y a plus personne, il y a plus rien. Brrr, c'est une vraie ville fantôme. Il doit y avoir erreur, Todd. Es-tu sûr qu'il s'agit bien de la fontaine de Port-Barbouille? Eh bien, selon mon guide, la fontaine est une sorte d'ode multicolore à la joie, de vivre et de la prospérité. Bon, c'est vrai que ce n'est pas vraiment ça, je vais faire un tour pour voir si je peux trouver quelqu'un. Allez mon petit Toad, vas-y. Hein. Le tampon sur ce pauvre Toad indique clairement qu'il a été posté à Port-Barbouille. Mais qui a bien pu l'envoyer? À votre avis, qui ça peut bien être? Vous avez des idées dans les commentaires? Oula, ça tremble? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Cette fontaine n'était qu'un leurre. Mario, une sorte de mécanisme vient de s'élever au centre de la fontaine. Tu devrais mener ta petite enquête, mais sois prudent. Alors, qu'est-ce que c'est? Examiner. Déverrouillage d'urgence. Trouvez les 3 interrupteurs cachés sur la place de la fontaine et activez-les comme suit. Bleu frappé, jaune tiré, rouge sauté. Très bien. Oula, mais d'abord on va visiter un peu. Oula, c'est quoi ça? D'accord. Ah, ok, c'est les interrupteurs, d'accord. Et donc là, on a le rouge. Ma couleur préférée, mon dieu. Oh, le porc, regardez ça. C'est un pauvre Toad. Le porc. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Jaune tiré, ok. Et bleu frappé, je crois, c'était ça. Donc, le jaune et le bleu. Le bleu, where is le truc bleu? Ah, mais il est là, voilà. Tac. Et voilà. Bon, c'était pas bien dur. Et voilà, tic. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, déverrouillage en cours, hein. Nous sommes à 7 minutes, c'est déjà très bien hein, pour un épisode, le premier épisode. Oula, c'est un coffre-fort en fait. Il y avait des pièces. Il y a un joyau. Ah non, c'est juste un vieux pot de peinture. Enfin, un pot de peinture, oui. C'est un pot de peinture. Merci Peach, toujours là pour faire le obvious. La fille obvious. Bon, examiner. Voyons ce qu'il renferme. Essayez d'ouvrir le couvercle. Vas-y, vas-y Mario. Allez. Ça c'est comme les pots de confiture le matin, vous savez, toujours chiant à ouvrir. Ça a l'air bien fermé, peut-être qu'à l'aide d'un instrument spécial. Bon, le seul moyen que nous avons sur la main est... Attends. Bon, le seul que nous ayons sous la main est un peu émoussé, mais ça vaut le coup d'essayer, non? Tiens. Oh, c'était ça qu'il fallait faire? Peinturion, d'accord. Donc voilà. Waouh, ça va pas la tête! Tu aimerais ça, toi, si je te sortais de ton sommet à coups de marteau? Pardonne-nous, c'est juste que on t'a pris juste pour un pot de peinture. On voulait simplement vous ouvrir. Alors, ah, parce que vous trouvez que j'ai une tête de pot de peinture, peut-être? Bah, un peu quand même. Bon, comme vous n'avez pas l'air du coin, je ferme les yeux pour cette fois. Mais je suis même prêt à me montrer serviable et à vous faire visiter ma belle ville, ça vous dit? Mais pourquoi il est enfermé dans la truc, lui? Oh, c'est très gentil de votre part, monsieur le pot. Je suis la princesse Peach du royaume champignon. À vrai dire, nous sommes là pour découvrir qui nous a fait parvenir une lettre portant le tampon de Port-Barbouille. Enfin, quand je dis une lettre, il s'agit en fait d'un pauvre Toad décoloré. Voici mon ami Mario. C'est un peu mon garde du corps. Il saute et cogne sur tout ce qui pourrait me vouloir me faire du mal. Mais au fond, c'est un pacifiste. Nous voyageons également en compagnie d'un de mes sujets. Un Toad, très brillant et extrêmement courageux. Maman! Ah, la tête de Mario, quoi, mon dieu. D'où venait ce cri? Arrête, ne m'approche pas! Ne t'approche pas, peut-être. Ou ne m'approche pas. Non, ne m'approche pas. Ça avait l'air grave. Oh, dites-moi qu'il ne s'agit pas de notre ami Toad. Il est un peu en danger. Il est un peu en danger. Oui, il est un peu en danger, on ne sait jamais. Il est peut-être en danger. Suivons, monsieur le pot. Allez, c'est parti. On y va. Attention, monsieur le pot. Alors, le petit truc chargement, c'est plutôt mignon. Alors, oula. Oh non. Mais qu'est-ce que je... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais jolies couleurs. Sapristi! Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire à notre pauvre Toad? Ah, Mario, à l'aide! Je ne sens plus mes jambes, il les a aspirées. Je ne tiendrai pas longtemps. Attrape ça, tu pourras peut-être t'en servir contre lui. Adieu, Mario! Vas-y, je te file 10 milliards de cartes, vas-y! Vous avez obtenu des cartes! Nickel! On va en... Oh, le pauvre. Ça me fait penser à un livre. Je sais pas si vous... C'est un livre que j'avais lu en primaire. De l'école, hein, parce que je lis jamais des livres. Par moi, ça s'appelait la valeur de couleur, en fait. C'était genre un mec qui avalait les lettres dans les bouquins, en fait. Il les aspire avec une paille. Non, Toad est devenu totalement blanc. S'il faut, ils se sont inspirés de ça. Hein. Toad, bitch, qu'est-ce que tu fais, pauvre? Grâce à cette racaille à paille ne tiendra pas longtemps face aux cartes que tu as reçues, Mario. Bon, Peach, tu peux faire un effort quand même. Tiens-toi prêt, il arrive. Oula, attention. Pousse. Pousse. Attends une seconde. Mario, tu as de la peinture sur toi, j'imagine? Bah non. Bien sûr que non, ce serait trop simple. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Si seulement il y avait un pot de peinture dans le coin. Ah, je ne sais pas qui peut être le pot de peinture dans le coin, mon dieu. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai une tête de pot de peinture, vous êtes content? Ok, voilà le plan, Mario, tu vas devoir m'essorer pour extraire la peinture que je contiens. Allons, fais-moi confiance, appuie sur A. J'appuie sur A, essorer. Ouh, attention. Oh, le pauvre. Et voilà, peinture... Ah, il est plus classe comme ça, Peinturion. Il est meilleur en papier, je trouve, il est plus beau. Ouh, je me sens tout léger. Et un peu raplapla aussi. On est comme des frères maintenant. Bon, assez papoté. Je viens de faire mon... Je viens de faire dans mon sang, de ma sueur et de mes larmes. Rien que ça. Enfin, c'est une image, hein. En fait, c'est de la peinture, quoi. Bref, tu peux l'utiliser pour libérer ta puissance des cartes. Et ton ami t'a donné. Et il y a un deuxième masque qui est arrivé sur l'écran. Avec ça, tu devrais lui en mettre plein la vue face, à cette phase d'aspirateur. Et il y a un troisième masque qui est arrivé. Excusez-nous. Attends, je vais faire la voix de mascasse. Excusez-nous. Nous sommes prêts à passer à l'attaque. Si vous avez terminé, bien sûr. Ça perd l'hypopète. Ils sont trois maintenant. Bon, peu importe. Nous avons des cartes. Nous avons de la peinture. À toi de jouer, Mario. Allez, vas-y, Mario. Démonte-les. Oh, c'est tellement classe. Avec le truc. Ah, c'est trop bien. Ah, je plaisante. Tous les pots chambrent, c'est bien connu. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire, pas vrai, Mario? Alors, touche. Ah, sur mon gamepad. Ok, alors. Sur mon gamepad, en fait, si vous voyez, j'ai des cartes. Et il y a marqué Maxisso. Bon, alors, sur mon gamepad, il y a Peinturion qui me parle, donc il fait... Bon, les cartes que Todd t'a données sont affichées ici. On les appelle cartes de combat logique. Cartes de combat logique. C'était espacé. Chaque carte te permet d'accomplir une action différente pendant la bataille. Les illustrations peuvent te donner une idée de leur effet. Regarde celle-ci par exemple. Il y a deux bottes dessinées dessus. Ça signifie que... Oui, non, ok. Oui, bon, je vais pas vous lire ça parce que la grosse botte là te permet de faire une attaque sautée. Oui, d'accord. En fait, si vous voulez, j'ai des cartes blanches sur mon gamepad. D'abord, il faut choisir une carte et la placer à cet endroit. D'accord. Donc en fait, j'ai des cartes. Donc j'ai un grand saut, j'ai deux petits sauts. Voilà, et donc je prends la carte avec mon gamepad. J'ai des champignons, j'ai des marteaux, voilà. Et je place cette carte là. Sélection prête, touche sélection, oui. Ok, vas-y, essaie. Alors, tac, sélection prête. D'accord, ok. Après tu peux peindre la carte, d'accord. En fait j'ai des cartes blanches et si vous voulez au combat comme ça je vais en choisir une. Et après je vais la colorer. Et voilà, là normalement elle est colorée. Donc je sais pas si vous la verrez. Une fois que tu as fini, touche peinture terminée. Et je crois que les... C'est tellement mignon. Enfin, j'ai pas vu ce qu'il a marqué et ce qu'il a dit le boss que je touche. Bon voilà. Et voilà. Il ne reste plus qu'à faire glisser la carte vers le haut pour la jouer. D'accord. Ok, c'est du Yu-Gi-Oh quoi. Vas-y. Ah voilà, vous la voyez en haut à gauche. Action. Bon, là les choses deviennent vraiment intéressantes. Appuie sur A au bon moment lors d'une attaque pour faire des dégâts. Oui bon, ça c'est comme dans tous les Paper Mario. Si tu débrouilles bien, tu peux enchaîner jusqu'à 5 sauts et c'est donc. 1. What? Je me débrouille pas très bien en fait. Là, ok, là c'est la partie pas marrante, c'est à leur tour d'attaquer. Mais pas question d'attendre, hein, les bras croisés, que ça se passe, tu peux te défendre. Appuie sur A au bon moment lorsque l'ennemi t'attaque pour parer. Si tu réussis ton coup, tu subiras moins de dégâts, bonne chance. Donc ok, c'est la garde donc. What? Ah ok, j'ai cru qu'il allait sauter. Ok, garde, ok j'ai fait une garde, c'est bon. Alors, ben on va refaire alors du coup. On va prendre une petite carte saut. Voilà, je fais la sélection, je la remplis de couleurs et tac. Voilà. Bon, c'est un peu assisté comme truc, mais ça va. Allez, hop, 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 hop. Voilà, on l'a démonté. Parfait. Nickel. Alors, vas-y. Garde extra. Alors, et voilà. Et pour vous montrer, là, je vais prendre un marteau. Voilà, un marteau, parce que je vous ai montré les sauts, maintenant, le marteau. Alors, le marteau, qu'est-ce qui fait le marteau? Action, ok. Quand tu utilises le marteau ou que tu lances des boules de feu, appuie sur A au moment où la lumière émise est la plus intense. Pour que la lumière est, plus la lumière est forte, plus tu infliges de dégâts. Les attaques les plus puissantes peuvent même atteindre plusieurs ennemis. Tu peux aussi toucher l'écran du gamepad au lieu d'appuyer sur A. D'accord, très bien. Ok, j'ai fait un bien. Bon, ben, très bien. Voilà. Trop mignon. Ok, bah on a tué les mascasses. Waouh, tu t'en es sorti comme un pot. Comme un pro, bravo Mario. Bon, si tu commences à faire des jeux de mots avec pot, peinture et tout, ça va pas le faire, hein, Peinturion. Oh, notre pauvre petite Toad, il était si plein de vie, si plein de couleurs. Quels qu'aient pu être ses défauts, le voilà blanchi à présent. Observons une minute de silence, je vous prie. Ce ne sera pas nécessaire, princesse. Il existe de moyens de lui redonner des couleurs à votre sujet. Bah oui, sinon ça serait pas marrant. Parce que, il faut bien se l'avouer, dans les Mario, il n'y a jamais de mort. Ah, quoique. Si. Oui, j'ai rien dit. Et qui dit couleur dit... Enfin, il n'y a pas jamais eu de mort montrée. Genre, il y a déjà eu, en histoire, par exemple... je vais prendre du Paper Mario 2, par exemple, il y avait une bombe... Et il s'appelait Bombard et il avait perdu sa femme. Mais on nous le montrait pas, genre, il racontait juste une histoire. Peinture, évidemment. Vraiment, vous pourriez ramener à la vie un simple coup de pinceau. Mais ce serait miraculeux. Croyez-moi, Toad, ce Toad n'aura rien d'un miraculé. Il sera maculé tout court. Eh bien, la peinture ne sert pas qu'à salir les mimines des enfants et à les colorer des cartes de combat. La peinture, ça rend le monde plus joli. Je suis bien d'accord avec toi. Et quoi de mieux d'appliquer ces belles couleurs qu'un marteau? Ok, ça fait de gros pâtés, mais c'est de l'art, je vous le dis. Vas-y Mario, essaie d'appuyer sur X pour faire un splash et repeindre ton copain Toad. D'accord. Donc là, c'est le... Alors, ok, on peut faire le marteau normal, donc c'est B, et le X, c'est le splash. D'accord, très bien. Prends ces cartes Mario. Hein? Mais que se passe-t-il? Et voilà Toad. Eh, mes jolis pois tout rouges, ils sont revenus. Yeah! Toutes mes couleurs sont revenues, je suis plus beau qu'avant. Oh Toad, je suis si heureuse que tu sois sain et sauf. Sans tes couleurs, tu ressemblais à un petit champignon tout blanc. Bon, il ressemble encore vachement à un champignon si vous voulez mon avis. Peu importe, vous avez pu admirer les fabuleux pouvoirs de la peinture. Mais je dois te prévenir Mario, même si je t'ai donné toute la peinture que j'avais, tes réserves ne sont pas inépuisables. Si tu veux continuer à peindre le monde qui t'entoure, tu vas devoir réapprovisionner, et c'est dur à dire ce mot, ton marteau splash de temps en temps. Alors, c'est un pot de peinture qui m'a sauvé la vie? Ça alors, merci monsieur le pot. Mais dites-moi, on risque de croiser d'autres méchants à paille. Comment faire pour remplir le réservoir de peinture du marteau splash? Bonne question, Jamie. Du calme. Vous vous souvenez de cette fontaine sur la place de la ville? Celle où j'étais en train de méditer? Ouais, donc il dormait, d'accord, j'ai ma réponse. Eh bien, bah, n'empêche, il était en train de dormir dans un... Comment dire? Un coffre-fort. Hein. Eh bien, il s'agit de la source primordiale qui alimente toute l'île Barbouille en peinture. Six grandes étoiles de couleur sont suspendues au-dessus de la fontaine. Elles déversent toute la peinture dont vous pourrez rêver. Mais ce n'est pas la seule source. Essayez de frapper des objets avec votre marteau et vous comprenez ce que je veux dire. Oh, quelle bonne nouvelle! Mais c'est étrange, il m'a semblé que la fontaine était asséchée tout à l'heure. Vous avez raison, princesse. J'imagine qu'il suffit de la remettre en marche, non? Ah, c'est la meilleure de l'année. Notre fontaine tarie. Oh, oh, oh. Allons, suivez-moi les comiques. Et prenez vos maillots. On va prendre un bon bain de peinture. Ouh, ça risque de détacher. Des grandes étoiles de couleur, je suis absolument sûr de n'avoir rien vu de tel. Oui, moi aussi, j'ai rien vu. Mario, il a un autre teint blanc là-bas. Nous n'allons pas le laisser dans cet état, il faut l'aider. T'inquiète, Peach, je vais l'aider. Mais d'abord, je prends de la peinture. Ah, on peut avoir de la peinture comme ça, très bien. Ah ouais, c'est sympa, regardez. On peut avoir de la peinture verte quand on casse des trucs verts. Ok, c'est très bien. Bon, par contre, il me faudrait de la peinture rouge. Donc voilà. Bon, allez, on va refaire ce Toad bien. On va remettre ce Toad bien. Bienvenue, bienvenue. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Que m'est-il arrivé? Je me souviens juste d'un gang de mascasses armés de paille. Oh là là. J'imagine que c'est toi qui m'as sauvé, Mario. Qui d'autre aurait pu le faire? Tu es un héros. Je suis le gérant de la carterie, la boutique de cartes qui se trouve dans le quartier bleu. Tu as besoin de réapprovisionner en cartes de combat, n'hésite pas à me passer et me voir. À plus tard. Mais j'ai une question, est-ce que les cartes on les garde? Je pense que oui, hein. Bah, y a pas de raison. Enfin, quoique, non, parce que dans Sticker Star, les stickers on les avait pas. Mais apparemment, les mascades se sont servies, navrées. Elles auraient vraiment pu être utiles. Bah, j'ai passé un dialogue sans faire exprès. Alors, très bien. What? Hey Mario, j'ai vu comment tu t'es battu avec les cartes de combat. C'est carrément cool. Par contre, niveau action, tu n'es pas vraiment au point. Alors, si tu veux te perfectionner, passe me voir dans la super salle d'entraînement ultra moderne. Enfin, ultra modeste. Plutôt soit. Mais il y a tout un matériel qu'il faut pour améliorer tes techniques de combat, tu verras. D'accord, bah on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Alors. Oh, il y a un petit Goomba. D'accord, très bien. Nous devrions nous rendre à la fontaine. D'accord. Bon, bah Toad, c'est très bien, hein, moi. Allez. Un pouce bleu pour Toad. Qui essaie de démonter. Oh, on peut les... LOL. Oh mais non, on peut démonter la princesse. Ça fait 10 milliards d'années que j'attends ça. Bon, on peut le démonter, lui? Non, on peut pas. Bon, bah d'accord, très bien. Oui, on va se rendre à la fontaine. Allez, on va se rendre à la fontaine. Très bien. Alors. Eh bien, Mario, si nous allions voir la fontaine... Mais Peach, c'est bon, j'y allais. Calme-toi. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une place avec un petit toad dessus. D'accord. Mais, alors, cet épisode, ça va vraiment servir de prologue, hein, entre guillemets. Donc, l'épisode plus intéressant, ça sera le deuxième, je pense. Parce que là, c'est vraiment toute l'histoire du début. Enfin, c'est intéressant aussi, hein. La peinture, il n'y en a plus une goutte. Où sont passées les grandes étoiles de couleur? C'est clair qu'on est loin de l'ode multicolore à ceci et cela, vanté par le guide. Monsieur le pot a l'air d'être en état de choc. Enfin, monsieur le guide, normalement, toi, tu nous as dit que tu ferais un super guide parce que t'as lu le manuel d'un... Enfin, le manuel Port Barbouille, machin, et finalement, tu sais rien. Oh, le pauvre! Dites-nous, monsieur le pot, que peut-on faire? Nous pourrions peut-être partir à la recherche de ces grandes étoiles de couleur, hein? Non, non, c'est inutile, tout est fichu! On ne les reverra plus jamais. Port Barbouille, sans ces grandes étoiles de couleur, c'est comme un pot de peinture sans étiquette. Sniff. Je suis pas sûr de comprendre la comparaison, mais ça a l'air très grave. Ouh, sniff. Sniff, sniff. Attends une minute, cette odeur, on dirait une grande étoile de couleur. Enfin, une étoile de couleur. Oh, mais oui! Regardez les amis, là-haut, une grande étoile de couleur. Vous êtes pas magnifique? Elle est un peu petite, hein. Ok, princesse, Mario, Toad, vous pourrez peut-être m'aider en fin de compte. Aidez-moi à atteindre la grande étoile de couleur. Vous me devenez bien ça, je vous ai un peu sauvé le pot, au fond, en vous faisant don de toute ma peinture. Bon, bah, les mascasses, on aurait pu les démonter juste avec notre petit marteau. Hein. Ce n'est pas faux, nous vous devons une faveur. D'autant plus que j'ai le sentiment que cette bonne action nous permettrait de résoudre notre propre mystère. Merci, princesse, c'est très princier de votre part. En revanche, c'est de m'appeler monsieur le pot, je vous en prie, c'est trop polissé. Je crois qu'il a dit polissé, ou trop poli, je sais plus. En fait, je m'appelle Peinturion. Bien, les présentations étant faites, essayons de mettre la main sur cette grande étoile de couleur. Mario, je vais me guider dans ta poche. T'inquiète, je suis proche, je ne tâche pas. Ouh. Si tu veux qu'on papote, t'as qu'à appuyer sur O pour me faire sortir. C'est simple, non? Inutile de sortir de ton marteau et de me fracasser le couvercle, d'accord? Bah, de toute façon, là, je pense que je pourrais plus trop te fracasser vu que t'es en papier. Si tu ne sais plus quoi faire, n'hésite pas à me demander un conseil. Très bien. Mario, oui, 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 allez, on va prendre des toiles. Que la paix du papier t'accompagne, Mario. Oh, elle est mignonne, elle nous a rendu toute notre vie. Dès que tu te sens un peu froissé ou gondolé, rends-moi visite. Je ferai en sorte de restaurer ta santé. D'accord, très bien. Mais d'abord, j'ai une question, les amis. Est-ce que... alors, il est 25... Enfin, c'est 25 minutes. Sans la cinématique du début. Et je flânais dans mon coin, admirant les parterres de fleurs, quand soudain je me suis senti vidé. Si j'avais eu mon marteau, j'aurais pu cogner sur les fleurs ou les arbres pour extraire de quoi ravir mes couleurs. Enfin, si j'avais eu un marteau, et si je n'étais pas tombé dans les pommes, quoi. Mais il faut bien retenir que c'est Port Barbouille est gorgé de peinture, et il suffit de donner un coup, et ça pour en puiser quelques gouttes. Très bien. C'est quoi ça? Un autre Toad. Oh. Ah, mais c'est le Toad avec l'étiquette. Arrête, laisse-moi tranquille, je ne suis qu'un petit Toad postal. Moi, j'essaie juste de faire mon travail. Ah, donc Peach a jeté carrément la lettre, le petit Toad par terre, quoi. Mario, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me souviens avoir été agressé par ces individus armés de paille, d'une paille. Mais après tout ça, le troublant. Peut-être que ce n'était qu'un cauchemar. Non, je ne suis sûr qu'on m'a cogné la tête. Sur la tête, regarde, il n'y aurait pas une marque des fois? Enfin, c'est du passé à présent. Oh, j'ai oublié les présentations. D'abord, je suis le Toad responsable de la poste de Port Barbouille. N'hésite pas à venir me voir quand le quartier bleu, quand tu en auras l'occasion. Nous avons fait en sorte que ton courrier te soit distribué dans ce bureau tant que tu seras en visite chez nous. Alors, à bientôt, j'espère. Donc, on va pas aller tout de suite chercher les toiles de peinture. Ça sera pour le deuxième épisode. En attendant, je vais vous parler un peu de des Paper Mario que j'ai fait. Donc, Paper Mario, c'était une série que j'admire. Ah, on peut gagner des cartes comme ça, d'accord. Sommiteux, d'accord. C'est sympa, c'est plutôt sympa. Hein. Oh là, voilà. Donc, le Paper Mario, c'est une série que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, pour les vieux qui me suivent, qui suivaient ma chaîne à l'époque... mon premier let's play n'est pas Capitaine Toad, c'est tout simplement Paper Mario, Super Paper Mario. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes un vieux, hein, normalement vous aurez connu mon let's play, mais ce let's play n'est plus d'actualité sur ma chaîne puisque je l'avais effacé parce que je trouvais que la qualité était pas très bien. Donc voilà, j'ai préféré l'enlever. Mais quoi qu'il en soit, moi ça fait super plaisir de revenir sur un Paper Mario. J'espère que vous serez beaucoup apprécié cette série. Pour les épisodes... what? On dirait que tu n'as plus assez de couleur, il faut pour peindre cette tache blanche. Essaie de cogner sur les arbres pour... Oui, mais il n'y a pas de truc rouge à cogner. Mais non, parce que le vert, ça donne pas de rouge. Je connais mes couleurs, je fais de l'art plastique, merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre cette série. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les épisodes, ça sera un épisode par jour. Si j'arrive à tenir le rythme, ça sera un épisode par jour. Je vous le dis, comme ça voilà, vous êtes au courant. Mais moi, j'aimerais beaucoup avoir de la peinture rouge. Bon, vous savez quoi? On va donner de la vie à ce pauvre... Ah bah non, on peut pas, d'accord. Très bien. Bon, on va partir dans le cas, dans le truc là-bas. Ah bah c'est le quartier bleu, je crois. Bah oui, parce qu'il y a le truc de Toad. Bon, alors. Ne détruisez pas le pont, non pas le pont. Oh. Je me souviens, j'ai essayé de les empêcher de démolir le pont, mais c'est ma tête qu'ils ont démoli en premier. Quel vandale. Ce pont était comme une passerelle entre les deux côtés du quartier bleu. Moi je n'y connais rien en pont, mais je sais que... Je sais au moins à qui devons nous adresser. C'est sûr qu'avec un railroad dans ton genre, on ne risque pas de traverser de sitôt. Où est passé le Toad bâtisseur de Port Barbouille? On en avait forcément un à un moment donné, je veux dire, sinon on n'aurait pas construit ce pont. Ouais, on en a un, mais il est parti quelque part faire quelque chose. C'est tout ce que je sais. Merci pour le tuyau, petit génie, on est vachement avancé. Enfin, étant donné qu'il semble avoir quitté la ville, autant se concentrer d'abord sur la grande étoile rouge. Oui d'accord, Peinturion, t'inquiète pas. Et t'as peut-être... Oui, non, mais c'est bon. Là, commence pas, hein. Commence pas. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode de Paper Mario. Alors, oui, bon, ça c'est un bloc de sauvegarde. Oui, je sais, merci. C'est là depuis les premiers Paper Mario, je crois. Voilà. Sauvegarde, nickel. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode de Paper Mario... Color Splash. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le début de cette série. J'espère que vous serez nombreux à la regarder. Pour la diffusion des épisodes, ça sera un épisode par jour si j'arrive à tenir le rythme, comme je vous l'ai dit. Enfin, je crois que je vous l'ai dit, je suis plus sûr. Et donc voilà, j'espère que vous appréciez cette série. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et la prochaine fois, on va entamer notre petit périple pour aller prendre la grande étoile de couleur rouge. Bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.